Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu est avec lui. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Et on le Seigneur. Personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu est avec nous. Amen.
Ici, c'est Nicodème qui est parti pour voir Jésus. Et Nicodème n'était pas encore du tout. Un bonhomme. Là, nous en parler ici. Dans le message des guides, à la page 40, le bonhomme dit, regardez Nicodème, il avait besoin d'un guide. Pourtant, c'était un homme intelligent. C'était un docteur d'environ 80 ans. Il faisait partie des pharisiens ou des tribunaux du Sanhédrin, du conseil de l'association pastorale. Amen. Remarquez ici que Nicodème était un docteur de la loi, un pharisien, un homme très âgé. Il avait à peu près 80 ans. Il avait servi Dieu pendant longtemps. C'était un homme expérimenté dans la parole. Amen. Parce que la Bible dit qu'il était l'un des chefs des pharisiens. Il faisait partie des pharisiens et des tribunaux du Sanhédrin, du conseil de l'association pastorale. C'était un des meilleurs hommes les plus importants, un docteur d'Israël, un maître. Amen. C'est comme un homme qui parle, ce n'était pas n'importe quel docteur, c'était quelqu'un de très important. Un maître, c'était un des leurs hommes les plus importants. Un docteur d'Israël, un maître en la matière. Pensez-y, passer maître dans l'art de l'enseignement. Amen. C'était le juif. Que quelqu'un soit maître dans l'enseignement. Un docteur, il connaissait très bien la Torah, il maîtrisait bien la Bible. Amen. Il connaissait très bien le prophétie. Oui, il connaissait les lois. Mais pour naître de nouveau, il avait besoin d'un guide. Amen. Il avait faim de cela. Il savait qu'il devait forcément y avoir autre chose. Amen. Ce qu'il a exprimé à Christ cette nuit-là, l'a démontré. Il savait forcément qu'il y avoir autre chose. Ce qu'il a exprimé à Christ cette nuit-là l'a démontré. Ce qui a été démontré aussi, c'est ce que les autres en pensaient. Mais aucun d'eux n'a eu l'écran que lui, il a eu. Amen. Amen. Aucun d'eux n'aurait pu aller là et faire ce que lui, il a fait. Vous savez, les gens condamnent Nicodème parce qu'il est venu de nuit. Il n'y est pas venu. Amen. Il y est arrivé. Je connais des gens qui ne veulent même pas prendre le départ. Amen. Les jours comme la nuit. Amen. Mais lui, il y est arrivé. Il a fait besoin d'un guide. Il a dit, maître. Nous. Amen. Amen. Le bonhomme dit, du tribunal du Sanhédrin. Nous, membres du tribunal du Sanhédrin, nous savons que tu es le docteur envoyé de Dieu. Amen. Le bonhomme parlait, non pas en son propre nom, il parlait au nom de toute la congrégation des pharisiens. Amen. Au nom des enseignants de la parole. Amen. Amen. Au nom de la communauté de prêtres. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement moi, Nicodème, qui le sait, mais nous tous. Amen. 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 Parce que quand nous sommes ensemble, quand nous discutons des droits et de la parole, autre, en secret, nous savons que tu es un docteur. Amen. Et tu es un docteur, non pas fabriqué par les hommes. Amen. Amen. Parce que lui-même, il était docteur aussi. Et il savait qu'il était docteur différent de Jésus. Amen. Parce que lui, ce sont les hommes qui l'ont formé dans les séminaires et qui lui ont donné son doctorat. Amen. Mais
il dit Jésus, toi, le doctorat vient du ciel. Amen. Et nous le savons. Amen. 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 Tu es un docteur envoyé de Dieu. Comment le savait-il? Il était confus. Amen. 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 Comment Nicodème savait-il que Jésus était un docteur? Parce que Jésus était confirmé. Voyez-vous, il voulait savoir ce qu'il en était de la nouvelle naissance. Il est donc allé directement à celui qu'il fallait, parce que Dieu avait confirmé que celui-ci était son guide. Amen. Jésus. Regardez ce qu'il a dit. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Nicodème a compris que Jésus était un docteur venu de Dieu? Amen. Amen. Non pas seulement par ses enseignements. Amen. Parce que Jésus enseignait, Nicodème aussi enseignait. Amen. 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 Et Nicodème lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne. Amen. Ne peut faire les choses que tu fais si Dieu est avec lui. Amen. 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 Tu es un docteur. Nous le savons. Non pas seulement parce que tu enseignes bien la parole. Amen. Mais nous avons remarqué. Amen. Que quand tu enseignes la parole, Dieu confirme ta parole par des miracles. Amen. Que personne d'autre ne peut faire. Amen. Nous avons essayé d'examiner tous les ministères que nous avons dans les pays, amen, dans toutes les nations, amen, les évangélistes que nous avons, amen, tous les docteurs que nous avons, amen, amen, amen. Nous avons les bishops, nous avons tous, ils enseignent aussi, mais nous avons remarqué une particularité. Amen. Quand tu enseignes, amen, amen, Dieu confirme sa parole par les miracles. Amen. Et les miracles que toi tu fais, les autres ne le font pas. Amen. Moi, Nicodème aussi, je ne le fais pas. Amen. Il n'y a personne. Amen. Amen. Personne ne le fait. Et nous avons compris que si un homme fait le miracle tel que toi, amen, amen, cet homme-là forcément doit venir de Dieu. Amen. Et Dieu doit être avec lui. Amen. Parce que nous ne voyons pas le diable faire de tels miracles. Amen. Personne ne peut faire de tels miracles que toi tu fais si Dieu n'est pas avec cette personne. Amen. Autrement dit, nous tous, nous savons, nous les docteurs, les sanadrins et tout ça, que Dieu est avec toi. Amen. Et il n'y a personne ici dans ce pays qui a Dieu comme toi. Amen. 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 Pourquoi Nicodème a-t-il conclu que Jésus était un docteur venant de Dieu et que personne ne pouvait faire le miracle qu'il faisait si Dieu n'était pas avec lui? Nicodème était un docteur. Nicodème connaissait parfaitement la Bible. Amen. Amen. Littéralement. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il n'avait pas, il n'en avait pas la révélation, mais il connaissait les passages de la Bible. Amen. Amen. Parce que pour que en Israël, tu sois un docteur, amen, amen, tu dois avoir une connaissance de la Torah. Amen. Vous vous souvenez que lorsque Hérode a réuni les principaux sacrificateurs pour leur poser la question au sujet de la naissance du Messie, ils n'ont pas d'abonné. Amen. Ils nous dit tout ça rapidement. Ils nous ont dit que le prophète a annoncé que c'est à Bethléem et frata que le Messie doit naître. Amen. Donc c'était des gars versés dans les Écritures. Amen. Ce qui leur manquait, c'était la révélation. Amen. Ils avaient avec les Écritures, ils avaient tout, mais ils n'avaient pas la révélation. Amen. Et remarquez, les Nicodème, connaissant la parole, ils ont remarqué le miracle que Jésus faisait. Amen. En dehors de la parole et tout ça, et lui il enseignait. Et Nicodème a compris et tout, que lui, il n'était pas né de Dieu. Amen. 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 Nicodème a compris, il avait 80 ans. Oui. Et peut-être qu'il ne restait pas beaucoup de temps pour qu'il puisse mourir. Amen. Il a compris que si je meurs aujourd'hui, je n'ai rien à voir avec le royaume des cieux. Amen. Parce que je ne suis pas né. Amen. Vous comprenez bien, mes frères? Amen. Ce qui s'est passé en ces temps-là se passe encore aujourd'hui. Amen. Nous avons beaucoup de docteurs. Amen. Il y a beaucoup de docteurs. Amen.
l'âge dans lequel nous vivons est plein de docteurs. Amen. Et beaucoup de docteurs ne sont pas nés de nouveau. Amen. Nicodème ne l'était pas, lui il était sincère. Amen. Amen. Mais nous avons beaucoup de docteurs qui ne sont pas nés de nouveau, amen, mais qui manquent la sincérité. Amen. 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 De déclarer aux gens, je suis docteur. Parce que Jésus n'a jamais contesté le doctorat de Nicodème. Amen. Jésus a reconnu, amen, amen, que Nicodème était aussi un docteur, amen, amen, mais qui n'avait pas la révélation. Amen. Écoutez ce que Jésus nous dit. Voilà. Jésus lui répondit. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Amen. Nicodème, Jésus lui dit que si il est né de nouveau, et sachez très bien que cela concerne Nicodème, cela concerne tout le monde. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau selon Jésus, amen, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Amen. 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 Il ne va pas changer parce qu'il est le même Dieu. Amen. Dieu de amen. Il ne va pas dire à Nicodème que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il est né de nouveau et venir ici changer pour dire que non, vous ne pouvez pas né de nouveau en Dieu. Il ne peut pas le faire. Non. Amen. C'est-à-dire que si la loi est entrée par la nouvelle naissance, oui. Amen. Amen. Cette loi est aussi valable ce soir pour chacun de nous. Amen. Mais chacun de nous doit naître de nouveau. Amen. Si tu ne nais pas de nouveau, amen. Amen. Alors, lorsqu'il a dit ça à Nicodème, Nicodème a compris. Mais il a mal compris. Amen. 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 Remarquez que Nicodème était un intellectuel. Amen. Amen. Nicodème a appris ce que c'est la naissance. Amen. Amen. Il connaissait littéralement quand on dit qu'un enfant est né. Amen. 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 Nicodème savait qu'il faut qu'il y ait une femme, il faut que l'enfant sorte du ventre d'une femme. Amen. Ça, c'était la littérature. Amen. C'était clair, c'était noir sur blanc. Amen. 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 Mais Jésus lui parlait de quelque chose qui n'était pas noir sur blanc. Amen. Il était dans un monde que la théologie ne pouvait pas comprendre. Amen. Ce que Nicodème lui disait, c'était une théologie normale. Amen. 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 Un intellectuel sait qu'il faut une femme, il faut naître d'une femme. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. 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 Les vents soufflent. Descends un peu. Je crois que je vais sauter une partie en avant. Les vents soufflent. Voilà. Allez, je vais la main, je crois. Jésus lui répondit. Non, voilà. Et qui veut auprès de Jésus, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, tu es de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle. Tu fais si Dieu est avec vous. Jésus lui répondit, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà, c'est là, c'est en bas. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Amen. Amen. Peut-il rentrer dans les sangs de sa mère et naître? Le problème, tout c'est qu'un homme qui est déjà vieux, amen. Amen. Il a grandi, tout ça, il est vieux. Amen. Amen. Il est très ancien, donc il est habitué déjà, les nerfs, tout ça ont vieilli, les cerveaux ont vieilli, tout a vieilli, il est vraiment vieux. Est-ce qu'un homme vieux peut-il retourner dans le ventre de sa mère? Amen. Amen. Bon. Jésus répond, en vérité, je t'ai dit. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne fait entrer dans le royaume de Dieu. Un, Nicodème, la naissance dont je suis en train de te parler, il y a d'abord l'eau. Amen. Amen. Après l'eau et tout ça, il y a l'esprit. Amen. Les deux choses. Naître d'eau et naître d'esprit. Et c'est ce que moi j'appelle la nouvelle naissance. Amen. Autrement dit, vous vous repentez d'abord. Amen. Amen. Vous êtes baptisé par l'immersion au nom de Jésus-Christ. Amen. Après, le Saint-Esprit vient en
Toi, Amen. Voilà la nouvelle naissance. Amen. Tu es un homme né de nouveau. Amen. 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 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te trompe pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les vents soufflent où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. 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 Le monde qui est né de l'esprit, tout ça, il est comme le vent. Oui. Il rentre dans la parole, il peut aller dans l'Apocalypse, il revient, il rentre, tu ne sais pas où il va. Amen. Tu peux commencer à lui dire ça, c'est quoi, c'est quoi? Amen. 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 Il peut rentrer, il amène les saints des saints, il peut rentrer, il amène Adam restauré, il peut rentrer, il amène la parole faite chair, il peut rentrer, il va dans les réunions, il est là comme le vent et tout ça. Amen. Comment il est au même moment et tout ça au ciel,
Et il continue en lui disant, et comme Moïse n'éleva les serpents dans le désert, amen. Il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Tiens. Amen. Amen. Moïse, qu'est-ce qui se passe? Amen. 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 Référons ici sur l'insistance. Amen. Amen. Il, car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique, amen, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, amen, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, amen, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui ne peut juger. Amen. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, amen, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. C'est un enseignement fort. Amen. Le niveau de ma réussite. Amen. Nous n'avons pas le temps ce soir. Amen. D'en parler, amen. Amen. Parce que si je voudrais insister pas, personne ne peut faire le miracle que tu fais, amen, si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Nicodème, amen. Amen. Avait mis dans la Bible au sujet du miracle. Nicodème, vous savez. Vous savez, frère. Et dimanche, je vous apportais un message sous l'onction et sous l'inspiration. Amen. À tel point que si quelqu'un peut encore se tromper, écouter des docteurs semblables à Nicodème, qui ne croient pas à la venue du Seigneur. Amen. Et les gens pensent que Jésus, c'est un homme comme nous, comme ça. Comme nous. Vous savez, quand j'entends que Jésus est en train de venir, il voit un homme comme lui, un ami, tout ça, qui est en train de partir d'un quartier pour venir à un autre quartier. Ils savent plus que Jésus est sous l'angevin. Amen. C'est ça. Après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, amen, il est le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Il dit tout. Et il a dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Dans le ciel et sur la terre. Amen. Nicodème avait lu dans la Bible. Vraiment Esaïe. Esaïe 35. Esaïe 35, à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Amen. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. 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 Nicodème, vous connaissez très bien l'écriture. Et il ajoute là-bas. Alors, souvenons les chiens des aveugles, souvenons les oreilles des sourds. Alors, le boîte sautera comme un cerf. Ça, c'est quand Dieu viendra lui-même. Amen. Nous pouvons nous aider. C'est un grand docteur. Amen. 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 Il a entendu ces choses. Il a lu ces choses. Il dit Esaïe a parlé de ça. Alors, souvenons les chiens des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue des muets éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. 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 Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Amen. Dans les repères qui servaient d'Égypte, de chacal, poisson, de roseaux et de jambes. Il a fait lui dans la Bible. Amen. Amen. Que quand Dieu viendra lui-même. Amen. Pour visiter Israël. Amen. 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 On reconnaîtra la présence de Dieu. Pas des miracles tels que les aveugles. Amen. Véro,
Amen. Et ceux qui sont boités marchaient. Amen. Et les muets parlèrent. Amen. Les sourds entendront. Amen. Et Nicodème enseignait ça dans les temps. Amen. Il disait, Dieu viendra lui-même. Amen. 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 On pouvait lui dire, docteur, est-ce qu'il enverra quelqu'un et tout ça? Il dit, mais l'écriture est claire. Amen. L'écriture dit, Dieu lui-même, quand l'écriture dit que c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est pas quelqu'un qu'on enverra. Amen. Il dit, docteur, il peut dire, j'ai une question. Amen. 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 Comment allons-nous reconnaître que c'est Dieu lui-même qui est là? Amen. Les affaires que vous voyez aujourd'hui. Amen. 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 Tel est Bartimée. Amen. Vous connaissez Bartimée? Amen. Il est devant le temps. Amen. Il dit, tel est Bartimée que vous voyez. Amen. Lorsque Dieu viendra lui-même. Amen. Bartimée verra. Amen. 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 Mais lorsque Jésus est venu, qu'il a commencé son ministère, effectivement, Amen. Les aveugles, Amen. 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 Ont vu. Amen. Les sourds ont entendu. Amen. Les boités marchaient. Amen. 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 Les morts ressuscités. Amen. Et Nicodème a regardé tout ça, il a dit attention. Amen. 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 Le miracle que cet homme est en train de faire, Amen. C'est en rapport avec les Écritures. Amen. 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 Et depuis que nous avons commencé ici, moi j'ai 80 ans. Amen. Personne n'a ouvert les yeux d'un affaire. Amen. Ce sont des choses que nous lisons toujours, se sont passées et Élisée a fait, Élie a fait, ou quelqu'un, mais nous. Amen. Nous n'avons que la Torah. Amen. Mais on a dit, Alléluia. Amen. Amen. Les gens viennent me dire dans les bureaux, docteur Nicodème, Bartimée. Amen. Amen. Il ne prie là où tu connaissais à Jéricho. Amen. Il s'asseyait sur une pierre. Amen. Frère Benoît dit que Bartimée était sur une pierre et cette pierre faisait partie de la miraille de Jéricho. Amen. Qui était tombée. C'est là où il se tenait. Jusque le jour où Jésus est passé par là. Amen. Et il a posé la question, qui passe par là et tout ça. On lui a dit, Jésus de Nazareth passe. Amen. Et lorsqu'il a entendu que Jésus de Nazareth passe, Amen. Il était assis à un bon endroit. Amen. Où Jésus de Nazareth passait par là. Amen. Et il a crié, oh fils de David, Amen. Pitié de moi. Amen. Pourquoi Bartimée était assis à l'endroit exact où Jésus devait passer? Amen. Et Jésus de Nazareth, Amen. Amen. Il ne s'est jamais arrêté de passer. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il passe toujours. Amen. Jusqu'au moment où il va s'asseoir sur le trône. Amen. Parce qu'il était en train de voyager. Amen. Et Bartimée, Amen. Hier, il était à l'endroit où il passait. Amen. Il a crié, fils de David. Amen. Aie pitié de moi. Amen. Et même Jésus de passer ce soir. Amen. Il est à un bon endroit. Amen. Vous pouvez l'interpeller. Parce qu'il n'a jamais changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Et lorsque Nicodème a vu toutes ces choses, Amen. Amen. Il pouvait se trouver dans son bureau. Amen. 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 Et voilà un voyant qui le voit. Maître. Mais c'est terrible, Israël est en train de toucher. Amen. 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 Il dit, qu'est-ce qui se passe et tout ça? Est-ce que tu connais Lazare et tout ça? Il dit, oui, je connais Lazare et tout ça. C'est lui que nous avons laissé communier ici, là. C'est lui où est notre Lazare? Oui, mais c'est celui-là et tout. Les frères de Marthe et Marie, oui, je connais Marthe, je connais Marie et tout ça. Amen. Alors, ils ont été excommuniés avec les frères. Amen. Et puis, mais il est mort, Lazare. Il nous dit que maintenant je te parle. Amen. Amen. Lazare est à Bethanie. Amen. Il dit beaucoup de gens sont en train de partir. Merci Seigneur. Il dit Lazare est à Bethanie. Il dit non, il est là, il mange. Amen. Il dit qu'est-ce qui est là? Amen. Tu connais Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il dit Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. Oui. Amen. Il dit il était à la tombe. Amen. 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 Il a appelé Lazare par son nom. Amen. Et Lazare est sorti de la tombe. Il dit ça c'est grave. Amen. Amen. Il prend la décision. Amen. Il dit malgré que je suis parmi les grands. Amen. 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 Cette nuit ici, merci, je Seigneur. Ne veux pas dormir. Amen. Si même tout le monde dort. Amen. Amen. J'ai 80 ans. Amen. Les choses que j'apprends que Jésus fait. Amen.
de pouvoir aller vers Jésus. Amen. Parce que non pas seulement que l'évangile était prêché, mais le miracle surnaturel Amen. Accompagné ce message. Amen. 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 Écoutez ce que la Bible dit ici. Dans Jean chapitre 11. Je prends d'abord Jean 7. À la fin du tabernacle. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. 30. Puis je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son aide n'était pas encore venue. Amen. Plusieurs, dans la foule, crurent. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Écoutez bien, c'est que la Bible dit. Et il disait, qui disait? La foule. La foule. Amen. Le Christ, Amen. Quand il viendra, Amen. Parce qu'on l'a enseigné, que Christ n'est pas faux. Amen. 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 On l'a dit que Jésus est faux. Amen. Ce n'est pas l'homme que nous attendons. Amen. 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 Jésus que vous voyez là, ce n'est pas lui que nous attendons, c'est une apparition. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu bénisse. Alléluia. Fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Oh Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu Lazare ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont vu le fils de la veuve de Nain. Amen. Ressuscité. Amen. Ils ont vu la veuve de Bartimée tout ça voir. Amen. 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 Ils ont vu cet homme-là à la piscine de Bethesda, 38 ans. Amen. Quand on lui marche. Amen. Ils ont vu le Père être multiplié. Amen. Lazare,
de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Amen. 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 Le mort est déjà ressuscité. Les pieds sont liés. Le visage enveloppé de bandes. Les mains liées. Mais il est vivant. Amen. Amen. Le plus bon. Amen. Alléluia. Amen. La première étape est déjà accomplie. Amen. La foi forte a amené le mort vivant. Amen. Et il a encore, amen. Amen. Les liens. Yes. Et les bandes. Amen. 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 Il est vivant. Amen. 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 Il faut quelqu'un. Amen. Il faut un disciple. Amen. Pour donner à manger. Amen. Pour donner à manger. Amen.
Amen. Amen. Moi, je crois. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même si j'avais un petit doute. Amen. J'ai vu un enfant écrasé. Amen. Écrasé. Amen. Et l'enfant est venu à la vie. Amen. Je l'ai dit, Christ, quand il viendra. Amen. Il sera plus que cet homme. Amen. Donc, Christ est ici. Amen. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Amen. 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 Seigneur. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver le pharisien et leur dire ce que Jésus avait fait. Écoutez. Alors, le principal sacrificateur et les pharisiens assemblèrent les sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Amen. Amen. Qu'allons-nous faire de cet homme? Nous lui entendons pas. Il fera des actes surnaturels. Amen. On le trouvera nulle part. Amen. Une personne. Amen. 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 Aucun aventurier. Amen. Même s'il a 50 colonnes de feu. Amen. L'aventurier ne va pas faire ça. Amen. Les colonnes de feu sont des lumières que je peux fabriquer par des flashs. Amen. Amen. Mais un homme qui n'a pas de pied, lui donner le pied, c'est un élève de Dieu. Amen. Et ça, personne ne pourra faire ça ailleurs. Amen. 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 L'épouse va accomplir certaines choses, amen. Mais quand il y aura la pêche, amen. 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 C'est pour ça que mes frères, je ne peux pas les gêner et tout ça et tout, pour qu'elle ne se oublie pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un des gens qui va sur le bureau là avec les pieds comme ça. Je dis, Église, nous allons gêner pour que notre frère marche tout ça. On ne gêne pas pour ça. Amen. C'est ça. Ce sont des signes de ciel. Oui, monsieur. Amen. Voyez-nous le pied comme ça. Amen. Tout le verre, tout de ça, c'est. Il y a dit, c'est Dieu de vous pour moi. C'est des signes de ciel. Amen. C'est de vous donner à n'importe quel vous. Amen. 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 Vous voyez les aventuriers. Amen. Les aventuriers, ils vont au stade. Après, ils appellent. Amenez la canne et tout ça. Il est d'accord. Amen. Où c'est la venue? Amen. 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 Bien, bon. Asseyez-vous d'abord dans la salle. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Amen. Il a commencé à prêcher tout ça. Profondeur de la paix. Amen. 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 S'il y a une profondeur quelque part. Amen. Et qu'il y a une autre profondeur. Amen. 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 La profondeur répond à la profondeur. Amen. Si vous êtes malade ce soir. Amen. Et que vous sentez le désir de vous guérir. Amen. C'est parce qu'il y a une guérison. Amen. 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 Amen.
Amen. Il dit, oh Dieu. Amen. Amen. Après, il dit, oh ma chérie. Amen. 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 Veux-tu que je prie pour toi? Amen. Quelle prière de Dieu veux-tu avoir? Et à notre départ,
J'espère. Je peux dire ceci à ma propre église. Mais je ne pourrais pas le dire en public. Amen. À l'extérieur. Merci, Seigneur. Là où il n'y a personne de chez nous. Parce que cela pourrait être mal vu. Amen. Oh, je remercie le Seigneur. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je fais partie de la famille. Amen. Le peuple de Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. 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 C'est quelque chose que Frère Olaf dit. C'est uniquement le Seigneur qui croyait en lui. Amen. 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 Quand il rencontre le Frère Bélé, le Frère Bélé dit, mais ça ne veut pas que Frère Olaf était prophète. Parce qu'il avait étudié avec des Paul. Amen. Amen. Vous savez, quand ils étaient à l'école et tout ça, ils se disputaient une femme avec Billy Paul. Amen. Les jeunes gens font toujours. Amen. Un jour, le souverain de l'école a appelé Billy Paul pour demander Billy Paul. Sérieusement. Et il a envoyé, il a appelé, va au repas, tu vas rester là. Quelque temps après, le téléphone a sonné, c'est Frère Olaf qui a appelé. Amen. Et le souverain a appelé ça. Frère Olaf dit au souverain, monsieur, voici ce que tu as dit à mon fils Billy Paul. Tu lui as dit ça, tu lui as dit ça, tu lui as dit ça. Amen. Je suis paniqué. Amen. Il a appelé Billy Paul. Il a appelé Billy Paul. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? Non. Et il dit que non, depuis que Billy Paul est parti de ton bureau, il a fait comme il n'a pas appelé son père. Amen. Il dit que ton papa vient de me dire non. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Alors, Frère Billy me dit, j'ai eu père, j'ai eu Billy Paul. Heureusement que mon père. Amen. Amen. Il n'est pas capable de dire cela. Amen. Il dit, mais cela me dérangeait. Jusqu'à tel point, je dis, comment est-ce qu'on a des milliers de kilomètres? Amen. Vous pouvez entendre tout ça, la conversation entre les surveillants et son fils. Amen. Et lui-même, il était un parent aussi. Jusque le jour où il va faire connaissance. Quand il arrive, le bonhomme arrive dans son centre. Et le frère Béry va parler avec lui. Pendant qu'il parle, le frère bonhomme lui dit, mais frère Béry, il faut que tu fasses rapidement et tout ça pour avoir ce que tu veux déchirer. Parce qu'il avait dit à sa femme, vous voyez, vous pensez que vous devez aller et tout ça, je ne sais pas faire. Et les petits et tout ça. Le frère bonhomme lui dit, tu vas faire rapidement et tout ça pour avoir ce que tu veux déchirer. Le frère Olaf lui dit, n'est-ce pas ta maison est comme ça, ta femme est comme Amen. Ça, ton fils est comme ça. Ah! Amen. Béni que monsieur se trouve comme ça, il me dit, monsieur, je vois que tu es un frère. Amen. 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 Le frère Olaf lui dit, garde ça pour toi. Amen. 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 Ne dis pas à tout le monde. Amen. Tout le monde a ouvert le dos. Après, c'est à tout le monde que tu en as. Merci là, Seigneur. Amen. Parce que je vais me montrer des citations. Je vais me montrer que Frère Olaf dit que ce n'est pas l'enlèvement. C'est la seconde venue. Il m'a dit que c'est pour Israël. Qui t'a dit qu'il doit quoi? Amen. Vous pensez que les choses là, c'est tout le monde qui croit. Merci Seigneur. Si Dieu t'a fait grâce, il t'a fait grâce. Amen. 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 Quand tu montres des choses même claires et tout ça, tu vois qu'il résiste et tout ça. Qui te pour toi? Amen. Israël était là, 2000 et tout ça. Les juifs, les bonheurs, les boum, boum, boum. Vous avez riposté.
où est l'homme qui développe une vie? Vous l'avez crucifié. Amen. Qui avait crucifié Jésus et tout ça? Des prêtres. Amen. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Amen. Les gens qui ont crucifié Jésus, ils ont dit à Jésus, pourquoi? Ils ont dit que nous prenons Moïse. Amen. Moïse était prophète. Amen. Mais toi, on ne sait pas d'où tu viens. Amen. 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 Et aujourd'hui, tout ça, il revient encore, tout ça, il regarde, tout ça, nous croyons en Jésus. C'est ça. Nous ne savons pas toi d'où tu viens. Amen. Mon Jésus. Oh Seigneur. C'est mon Jésus. Je ne veux pas que quelqu'un puisse comparer mon Jésus avec toi. C'est mon Jésus. Amen. Oh Seigneur. Amen. 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 Am
Amen. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils préparent les gens. Amen. Je vous dis une chose, mes frères. Si aujourd'hui les gens ne croient pas que Dieu lui-même est venu, amen, dans une chair humaine, amen, pour visiter son Père, amen, c'est pas une portion. Amen. Non, Dieu est un entier. Amen. Une telle personne ne voit pas la joie de Dieu. Amen. Bien, mes frères, pourquoi vous faites des malades, Dieu, tout ça? Vous ne comprenez pas, et tout ça. Tout ça. Et vous voulez comprendre avec Jésus? Moi seulement Jésus. Amen. Tu n'as pas mis les mains très oui. Que ton Jésus est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Qu'il ne change pas. Amen. 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 Vous savez? Ce que le maire a dit de Porto Rico, écoutez. À notre départ, j'espère que je peux dire ceci à ma propre église, mais je ne pourrais pas le dire en public à l'extérieur, là où il n'y a personne de chez nous, parce que cela pourrait être mal vu. Mais j'ai ici sur un bout de papier le nom du juge qui a prononcé la locution au moment de notre départ. Le juge est venu. J'ai ça ici. Lui et ses assistants. Et il a dit, nous avons eu l'honneur d'avoir suivi la visite des plusieurs prédicateurs. Il a dit, quand M. Billy Graham est venu, il a quitté l'île récemment. Nous avons eu une réunion courrier, mais Billy Graham nous a simplement apporté le même évangile que nous avons toujours entendu. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est vivant. Amen. Dieu peut vous bénir. Amen. Si vous n'avez pas de travail, Jésus vous donne le travail. Amen. Si vous n'avez pas de mari, Jésus vous donne le mari. Amen. Jésus est dans la prospérité. Oui. Amen. Amen. Les gens disent que l'évangile, là, nous avons entendu ça. Amen. C'est ce que Jésus nous a apporté. Amen. Il a dit, nous avons ensuite eu l'honneur d'avoir la visite de M. Robert sur lui. M. Robert, Conrad Robert. M. Robert nous a donné une grande réunion de 3 jours. Mais les frais d'hôtel furent tellement élevés qu'ils ont laissé une note de 35 000 dollars pour 3 nuits. Oh, c'est bien. Rien que pour les frais d'hôtel. Il a dit, oui, M. Osborne est passé. Le plus grand évangéliste du monde. Amen. M. Osborne est parti. Nous avons été déçus. C'est comme s'il ne reste plus rien. Mais, amen. Hey, nous avons remarqué que lors de cette réunion ici, il n'y avait guère que quelques personnes sur le stade pour que Frère Branham prie pour elle. Amen. Mais à la fin des services, amen, on remplissait des camions. Amen. On remplissait des camions de vieilles chaises. Amen. Des bâtons. Amen. Et tout. Amen. Ramassé là dans l'auditoire. Amen. Il a dit ce n'était pas un homme cette fois-ci. Amen. Ce n'était pas un prédicateur comme les autres prédicateurs.
Ça, je vous le dis sincèrement de tout mon cœur. Amen. Lorsque vous entrez dans une assemblée, le prédicateur commence à dire qu'il a des colonnes de feu, des lumières et tout ça. Sortez de cette assemblée. Amen. C'est un blasphémateur. Amen. C'est un blasphémateur. Amen. 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 Frère Branham me dit que la colonne de feu que vous voyez ici, celle qui a créé le ciel et la terre. Amen. 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 Et dans le message, monsieur est le chien du temps de la fin. Amen. Il est parmi les mystères de cette marche des vrais réveillés. Il y a aussi le retour de la colonne de feu. Amen. Amen. On ne joue pas avec la colonne de feu. Amen. On la trouve maintenant partout, tout ça. Nous allons en plein ciel et tout ça avec des personnes dont la vie. Amen. 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 Quelqu'un est en train de voir les juifs sur la colonne de feu. Il met même ça sur des photos et tout ça. Il en a 15. Ça, c'est vous voulez jouer avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Amen. Comme j'ai regardé une fois un concert d'un frère qui jouait à Angola, j'ai regardé tout ça. J'ai dit Seigneur, je ne suis plus dans l'esprit de concert. Amen. Le diable est entré dans ces choses. Amen. Il y avait à peu près, si je ne m'exagère pas, peut-être 15 et combien de frères habillés en tout et tout ça, des instruments et tout ça et tout. Et la danse, c'est lui. Et les cheveux de ses. Je crois que je suis resté presque le seul prédicateur qui parle encore sur les visages, qui montre toutes ces choses-là, malgré qu'il y a des serres qui sont toujours dedans, tout ça. Mais au moins, j'écris contre ça. Dieu vous bénisse. C'est une vraie fille de Dieu à faire ça. Amen. Et si vous savez que vous m'avez fait des visages au chevet, vous mettez les mèches, des choses comme ça, vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. 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 Vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Dieu n'aime pas des choses artificielles. Amen. Je vois des cèdres, des mèches, ils sont descendus jusque là. Tout ça. Des jupes longues, serrées. Serrées. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi vous échouez? Pourquoi l'école vous échoue?
Vous pouvez dans le commerce, vous échouez. Amen. Vous serez chrétien. Amen. Et il a dit que vous réussirez. Amen. Vous aurez du succès. Amen. Alors vous n'aurez pas du succès. Amen. Ça, c'est le problème. Amen. Et moi, j'ai du succès dans mon ministère. Amen. Quand je fais le bilan et tout ça, j'ai dit Seigneur, tu m'as mis Théo. Amen. C'est parce que je suis resté correct avec la paix. Amen. Vous comprenez bien, mes frères? Amen. Amen. On n'a même pas dit de venir prêcher sur les gens, venir payer la dîme. Si quelqu'un ne paye pas la dîme, Dieu va les frapper et tout ça. Amen. Et Dieu te frappe sans qu'on le fasse. Amen. Un chrétien, frère, j'ai dit bien un chrétien, même si on ne vient jamais enseigner la Bible. Quand il est assis là, il voit seulement les gens qui vont dire, il voit ce que les gens vont faire. Nous ne pouvons pas poser la question, c'est que les gens font les appels, c'est quoi? Parce que c'est dans mon cœur que je dois donner quelque chose. C'est dans l'âme. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas comme ça, c'est la dénomination qu'on a dit. Système, comme vous, je l'ai dit, tout ce qui s'est fait. Donnez, et tout ça. Abraham a donné son fils unique. Et tout ça. Vous ne pouvez pas donner aussi votre fils unique. Et on ne va pas l'interpréter le fils unique, on met ça en rapport avec l'argent, tout ça et tout. Le fils unique, frère. Vous pouvez donner votre salaire tout entier. Vous dites que c'est moi ici. Seigneur, je fais le sacrifice d'Abraham. Le sacrifice d'Abraham. Il va dans la fête, il va dans l'état des gens. Il faut tout ça à faire. Amen. Amen. Veuillons prendre ma prière sur mon tel sec. Amen. Et Dieu est venu se confier. Amen. Le frère d'Abraham n'était pas l'homme de péché là dans la chair. Aujourd'hui, le message aussi, il y a du pentecôtisme qui est là. Il y a des prédicateurs qui prêchent aujourd'hui la prospérité. C'est-à-dire qu'avoir l'argent, la prospérité, ce n'est pas l'argent. Amen. Frère Madame est clair. Amen. La prospérité, ce n'est pas l'argent. Amen. 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 Joseph était le fils de la prospérité. Amen. Et en tant que fils de la prospérité, il pouvait éviter la vitesse. Amen. Amen. Il était né de Dieu. Amen. Un homme prospère. Amen. Une femme qui va lui faire des avances, la femme d'un grand patron. Amen. Joseph a fui. Amen. Quel frère qui peut fuir ici? Amen. Qui est vraiment en difficulté? Amen. Femme, vous avez dit, moi, je vais te donner tout ça, je serai mon petit ami, tout ça, je dis ça à personne, et tout ça. Amen. Tu seras même calme, là, tu vas m'amener une nouvelle voiture ici. Amen. Calme, tu vas même m'appeler pour consacrer ça. Amen. Sachez que c'est un produit d'habiter. Amen. Ce n'est pas facile, frère. Amen. De garder la parole. Amen. 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 Nous allons nous lever. Est-ce que vous croyez que le même Dieu est avec nous ici? Amen. Quelqu'un est malade ici? A-t-il un parent malade? Ou quoi que ce soit et tout ça? Dieu peut vous faire grâce ce soir. Si vous croyez que le même Dieu est ici. Voilà que nous sommes debout. De chanter. Pensez à celui qui est malade, que le même Dieu peut nous faire grâce aussi de pouvoir guérir les gens malades ici. Quel ami nous avons Jésus. Aleluia.
je suis entré et prier ici, en citant la prière du frère Branham. Pensez à quiconque qui est malade, que Dieu puisse vous faire grâce et recevoir la guérison. Amen. Notre Père Céleste, nous prions qu'au nom de Jésus-Christ, que pendant que ton esprit agit dans ces bâtiments maintenant, amen, et les voix se sont fait entendre, et ont déclaré que c'était maintenant le moment, amen, que c'est maintenant l'heure. Et je prie, Père Céleste, qu'en voyant toutes ces mains qui se sont levées, amen, il y a peut-être une trentaine de mains, ou plus, qui viennent de s'élever. Ces gens désiraient de se voir Christ pour leur sauver de grâce. Ayant entendu le message, sachant que nous sommes au temps de la fin, les faits de ce réveil sont sur chaque colline. Dieu avait promis que dans les derniers jours, il allait susciter ces choses pour prouver qu'il est Dieu. Qu'il serait au milieu de nous, accomplissant ce qui est juste. Amen. Et montrant des grands signes et des prodiges parmi les gens. Amen. Que les aveugles verraient, que les sourds entendraient, et qu'il y aurait des grands ministères surnaturels qui seraient à l'œuvre. Aujourd'hui, Seigneur, ces choses de notre vivant, nous les voyons. Maintenant, Père bien-aimé, alors que je me trouve ici, ce soir, après avoir parlé, Seigneur, ce soir, au sujet de ce que Nicodème m'a dit. Amen. Nicodème, Seigneur, a observé ton ministère. Et il a vu qu'il y avait des œuvres surnaturelles. Amen. Que personne d'autre ne pouvait accomplir. Amen. Et aujourd'hui, en ce dernier jour, oh Dieu d'amour, nous avons vu le même ministère. Amen. Le ministère de Christ. Amen. Manifesté dans le ministère des frères Branham. Amen. Et nous pouvons dire, Seigneur, que c'est toujours le même Jésus. Amen. Tu es un grand docteur, béni de Dieu. Amen. Car personne ne peut faire les choses que tu as faites. Amen. En ce dernier jour, dans l'âge d'un lycée. Amen. Si Dieu ne t'a fait. Amen. Seigneur le Tout-Puissant, tu sais. Amen. Que si ce soir, Frère Branham était ici, oh, Seigneur, après avoir prêché, Seigneur, amen, s'il m'aurait autorisé, Seigneur, amen, et dit, Frère Sauter vous parlera ce soir, amen, et je viendrai uniquement pour la ligne de prière. Amen. Quelque chose devrait se passer ici. Amen. Ces gens seraient dans la ligne de prière. Amen. Et quelque chose allait se passer. Amen. Mais je ne suis pas Frère Branham. Oh, Dieu. Mais Seigneur, le même message, amen, que Frère Branham croyait. Amen. Amen. Le même message que nous voyons. Amen. Et s'il y a des gens qui sont venus ici à l'hôtel, amen, qui ont des problèmes particuliers, amen, tu n'as jamais changé. Amen. Tu es le même hier, amen, aujourd'hui et éternellement. Amen. Une fois, tu avais parlé à Salomon, amen, que je t'arracherai le royaume. Mon Dieu. Mais je ne pourrais pas tout arracher. Amen. À cause de David, mon Seigneur. Amen. Mais voici ici ce soir. Amen. Un pauvre péché. Amen. Je me reproche de beaucoup de choses. Amen. Oh, Seigneur. Et si tu permets au diable de m'accuser, oh, Seigneur, je ne pourrais pas m'en sortir. C'est de ça. Amen. Et je te dis une chose, Père. Amen. Et je suis ici pour témoigner. Amen. Le message de vous avoir. Amen. Si tu ne fais pas secourir ces gens, oh Dieu, à cause de ma vie, amen, fais-le, Seigneur. Amen. À cause de ton serviteur. Amen. Amen. C'est pour cela que je condamne, Seigneur, tout esprit de maladie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous vois qui amen. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Je prie au Dieu. Amen. Accorde-leur le Saint-Esprit. Amen. Je sais que tu le feras, Seigneur. Amen. Parce que Élisée, amen, avait pris le manteau. Amen. Et il a frappé les Jourdains. Amen. Il cria, où est le Dieu d'Élie? Amen. Amen. Je n'ai pas de manteau ici. Amen. Amen. Mais j'ai le message de Branham. Amen. Où est le Dieu de William Branham? Où est le Dieu? Amen. Qui a guéri Florence Maldiva? Amen. Où est le Dieu qui était en Jamaïque? Amen. À Porto Rico? Amen. Où est le Dieu? Amen. Qui a guéri Joachim Carter? Amen. Où est ce Dieu-là? Oh Seigneur. Ce soir, amen, si ces gens étaient en ce temps-là, amen, je serais plus large.
pas fondé. Amen. Jésus, il est venu ici. Amen. Et qu'il portait le costume qu'il m'a donné. Amen. Et vous lui demandez de vous guérir. Amen. Il ne vous guérit pas. Amen. Et il vous dira, merci, il l'a déjà fait. Amen. Et qu'il vous demandera, amen, de pouvoir l'accepter. Amen. Et nous acceptons ce nom. Amen. Amen.